Et salut à tous et à toutes, ici Petit Seb et je vous souhaite un bon retour sur Yooka-Laylee. Donc la dernière fois on avait battu le boss dans la chaudière, donc juste ici. Donc on va continuer à explorer ce château qui fait partie du monde étendu du livre de glace. Ah ok, il va falloir que je m'amuse à sauter par. Ok. Saute. Ah, je pense qu'il va falloir le faire avec la roulade. Ces plumes vont pas être simples à récupérer. Sérieusement, ah bah aujourd'hui j'y arrive pas. Bon, on va faire simple, on va essayer de récupérer les plumes déjà. Voilà, une. C'est malheureux que je suis obligé de me. J'ai réussi. C'est tout. Alors, canalisation par plomberie Tyler Baldwin. Satisfait ou remboursé à 100%. Est-ce que ça a ouvert la porte ensoleillée aussi? C'est plus une fenêtre. Alors, faut que je repasse jusque de l'autre. Ah, mais non, ça me fait passer directement jusque de l'autre côté. D'accord, très bien. Pas l'air d'avoir autre chose ici. On s'échappe en vitesse. Enfin, en vitesse. Avec la remise en route de la chaudière, on avait les ventilations qu'on pouvait utiliser pour remonter. Je suppose qu'il va falloir les utiliser à d'autres endroits. Bon, merci. Non, oh. Et décidément aujourd'hui ça veut pas. Hein. Je l'avais déjà fondu de ça. Je sais plus ce qu'il y avait dedans. Ah oui, c'était juste l'interrupteur. Donc cette zone là doit être complète. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça faisait très longtemps que j'avais pas enregistré sur Yooka-Laylee. Du coup,
Je me souviens plus très bien de ce que j'ai fait la dernière fois. Je me souviens que j'ai fait le boss. Et à part ça. De ce côté, il me semble que j'avais tout fouillé, mais je veux voir s'il n'y a pas de. De bouche d'aération qui me permettrait de. De récupérer des plumes ou une pagie supplémentaire. J'ai récupéré une pagie au fond en sautant par-dessus des murs. Et là, j'ai récupéré une pagie en passant par le sous-sol du palais. Accessible avec les escaliers et ascenseurs de Patrick Hurley. Aucun pont n'est trop loin. C'est bien, mais il me faudrait quelque chose pour tirer. Bien sûr, dans la seule caisse que j'ai ouverte. Oh.
encore un quiz. Combien de torches dans cette pièce? J'en ai aucune idée. 7. C'est juste trop fort. Répondu au hasard, j'ai juste. J'ai cru que c'était une question piège, j'ai pas voulu répondre. 1, 1, une torche ici, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ça fait bien 7 torches. Allez, on va essayer le quiz. Après avoir retiré le nombre de caisses. Encore une réponse juste au hasard. Oh, hein. Ça c'était évident. Yo, yo. Hop, une page supplémentaire. Ouais, donc la lumière, c'est la, elle est là pour qu'on explore la pièce et qu'on compte tout ce qu'il y a dedans. Pas évident. J'ai utilisé une méthode plus rapide pour retourner là où je voulais. Faire ça tout de suite. C'est un petit jeu de plateforme assez sympathique. Hop, et je suis arrivé. J'ai un point de vie de plus, enfin un papillon de plus au niveau de mes PV. Ça c'est super, ça me permettra. De pouvoir prendre plus de coups. Alors de ce côté-ci on a quoi? Je dirais qu'il y a quelque chose là-dedans. Ah, il y avait un poulet.
points hein, au cas où. C'est The Épreuve, hein, ça. C'est le parcours du combattant. J'attends la passerelle. Je veux manger la torche. Non, bon, tant pis. Fleur grenade. Un peu ça m'en vrai. Tiens, j'accélère. C'est pas mal cette, ce petit parcours du combattant. Très sympathique. Chaque côté. Je vais aller voir de ce côté-là rapidement. Voilà, voilà la fleur de feu. C'est une caisse de poulet. Cette fois, sachant ce qui nous attend. Faire deux fois.
suis arrivé où là encore? Si vous vous perdez, appelez-moi. Numéro 2, très bien. Je suppose que si je passe par là, je reviens au numéro 1. Ah non, 3. Là, je suis revenu au 1. Là aussi. Alors, c'est un labyrinthe qu'il va falloir faire, refaire et refaire jusqu'à y arriver. Ça devrait pas trop poser de problème. Donc le 2 était là. Le 3 était du même côté. Par là et ça ne marche pas. Donc forcément au troisième il va falloir que j'aille en face. À moins que le retour en arrière est possible pour y arriver. Soit possible, pardon. Le cinquième, je sens bien tourner de l'autre côté. Je prends un peu au hasard, hein. Bien, si c'était pas ça. Allez, dernière tentative. Donc on est arrivé jusque là. Cinquième, c'était pas là. Je sens que c'est pas en face. J'ai pas l'impression que ça soit en face. Un peu perdu. Et voilà. Donc comme je disais, dernière tentative donc pour cet épisode. Donc s'il vous a plu, j'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un joli pouce bleu. Nous, on se retrouve au prochain épisode pour finir ce labyrinthe. Allez, salut tout le monde. Hey, watch out.